L'agroforesterie pourrait-elle apporter des solutions à l'évolution du climat et en particulier au problème de la sécheresse Nous sommes allés voir Hervé Covès qui travaille sur ce sujet à la fois sur le plan théorique mais aussi sur le plan pratique dans un centre expérimental d'argues et paysages à Chartry-et-Ferrières près de Brive. Ce que nous avons vu et ce que nous avons appris est tout à fait étonnant. Sur ce sol aride, Totalement inculte, Hervé Coves a obtenu une production de seigle qui était loin d'être négligeable et ceci sans la moindre irrigation ou fertilisation. Comment un tel miracle est-il possible Ceci est l'objet de ce documentaire en deux parties. Dans la première partie, Hervé Coves nous présente les mécanismes biologiques intervenant dans l'approvisionnement en eau et en éléments nutritifs dans la seconde, il nous présente une expérimentation qui prouve leur validité. Ce qu'on a récupéré avec Arbres et paysages dans le Gers, hein, on a récupéré cette station qui travaillait sur la truffe, qui est une station qui est dans une situation d'une extrême aridité en se disant mais ça est-ce qu'on va pouvoir réussir à le mettre en culture et faire des céréales là-dessus sur du caillou. En s'aidant que des enfin principalement des champignons du sol. Voilà. c'est ce qu'on ira voir tout à l'heure hein, de façon un peu jubilatoire parce que je vais raconter des tas de trucs mais lorsque vous le verrez vous comprendrez que, que c'est faisable en fait que c'est faisable les travaux qu'on a faits à l'échelle de quelques hectares ici ils sont faits à l'échelle d'une région grande comme la belgique dans le désert de gobi en chine à très grande échelle donc et en 15 ans ils ont transformé cette zone du, du, du désert de Gobi, une zone sur laquelle il y a 150 mm d'eau qui tombe par an, en zone d'agriculture non irriguée. L'expérimentation d'agriculture et paysage utilise les principes de l'agroforesterie. Celle-ci est bien connue comme une technique d'agroécologie dont les bénéfices sont nombreux. Elle stabilise les pentes et protège de l'érosion, nourrit et abrite la faune sauvage et lui permet de circuler. Freine les mouvements de l'eau, abrite et procure de nombreux animaux d'élevage, ralentit la vitesse du vent, délimite et protège les parcelles, filtre l'eau contaminée par les traitements, diminue les effets des inondations. Hervé Coves nous présente comment il conçoit l'agroforesterie. Une symbiose agrico-naturelle. C'est un milieu dans lequel il va y avoir énormément de vie. La vie du sol d'abord. Ensuite, en, en jouant sur les strates végétales, qu'il faut avoir côte à côte des zones d'ombre et des zones de lumière. Ça, c'est indispensable pour commencer à gérer l'eau. Qu'en travaillant sur les strates, et d'abord des arbustes, ensuite des haies, ensuite des arbres intra-parcellaires, qu'en jouant sur ces aspects-là, on va aussi faire arriver un nouveau partenaire dans nos systèmes qui est le champignon mycorhizien et son compagnon, celui de la symbiose mycorhizien et son compagnon, le champignon saprophyte, celui qui décompose du bois. Et ce binôme-là, de celui qui coopère et de celui qui décompose, va être un amplificateur de la vie du sol, de sa porosité, de sa profondeur, de sa richesse du stockage, de sa capacité à stocker un très grand nombre de nutriments, et ensuite même dans sa capacité à piloter l'eau. Quand on raconte qu'il faut planter des arbres, ben chez nous c'est de la bêtise parce que ça ne marche pas. Euh, on pourrait aller voir mes vignes là-bas, euh, sous le vieux chêne, la vigne elle ne pousse pas. Hein et... Et donc, euh, ça ne marche pas. Le sens commun, ce que l'on observe, c'est que ça ne marche pas. Quand on regarde plus au sud, tu vois, au Maroc, sous les arganiers, ben, ça pousse plus sous les arganiers que loin. Alors là, on dit que c'est parce qu'il y a trop de soleil. Ça tombe bien, il commence à y avoir trop de soleil chez nous. Hein Et ça pousse mieux. Mais ça pousse mieux pour plusieurs raisons. Et une des, des grosses... Euh, explication qui a été fournie par, le, bah, bah, par toutes ces études qui ont été faites dans le cadre du GIEC et qu'a réalisé l'Université d'Alicante euh, euh, il y a une 10, 10, 15 ans, là maintenant, c'est que en Europe, les champignons de nos arbres sont des champignons qu'on appelle ectomycoriziens, avec des mycorhizes particulières, des champignons forestiers, qui nous donnent certes les truffes, hein, mais les cèpes, les girolles, les trompettes de la mort, tous ces champignons qu'on aime bien manger. Et il se trouve que ces champignons-là ne sont pas du tout compatibles avec nos cultures. Alors que dans les zones plus arides, certes, ces champignons continuent d'exister, mais ils sont de plus en plus, au fur et à mesure que le milieu s'aridifie, au fur et à mesure que le milieu se réchauffe également, et puis assez inversement aussi, au fur et à mesure que le milieu se noie. Qu'on est proche de l'eau, hein, où ces champignons euh, ectomycorhiziens n'arrivent pas à bien vivre, et bien dans les autres situations, c'est des champignons qu'on appelle endomycorhiziens. Toutes nos plantes cultivées, toutes nos plantes alimentaires en tout cas, en dehors du châtaignier, pour ce qu'il chez nous, sont toutes endo quand elles sont encore mycorisées hein, parce que la sélection génétique a fait qu'on a souvent désélectionné cette aptitude à se mycoriser mais c'est dans la nature ou sur les variétés anciennes hein, quand on dit anciennes c'est celles des années 70-80 ce hein, c'est pas les variétés des pyramides ou de, hein, voilà et que toutes ces variétés sont encore euh, mycorisables et encore mycorisées et lorsqu'on a des arbres compatibles avec nos plantes mycorhizées, là, ça met en place des systèmes qui fonctionnent. Et lorsqu'on ne peut pas changer les types d'arbres parce qu'on est à côté d'un massif forestier, on va travailler sur la lisière. La lisière, hein, de façon à ce qu'il y ait un, euh, un certain nombre de plantes médiatrices. Parce on a aussi trouvé ça. Certaines plantes ont la capacité de faire la médiation entre les deux grands types de trames de champignons du sol. 95% de la biodiversité. Des zones émergées, c'est la vie du sol. Et tout ce qu'on voit à nous, les animaux, les oiseaux, les plantes, c'est que 5%. L'essentiel de la vie est contenu est invisible. et invisible. C'est toutes ces, ces bactéries, ces champignons, ces animalcules qui, 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 que, que qui, sous nos, enfin, qui sont sous nos pas, quoi, qu'on ne voit pas. Et, et, et c'est ça qui fait le plus fonctionner la planète, en fait. Le sol, la vie du sol, c'est là qu'il y a l'essentiel de la résilience. Et ensuite, donc, on aura euh, des, des, euh, des grands aménagements autour de nos parcelles qui permettront de faire circuler la biodiversité. Pourquoi faire circuler la biodiversité Lorsqu'on analyse la vie d'un sol, ici, à deux kilomètres de là, dans une parcelle, dans une autre parcelle, ou dans une géologie particulière, ou dans une autre géologie, dans un climat particulier, dans un autre climat. On se rend compte que même à petite échelle, il y a une diversité d'agencements de micro-organismes dans les sols qui est juste prodigieuse. Chaque terrain devra arriver à évoluer en fonction de ce qu'il est de là où il est vers quelque chose d'autre. Et pour ça, en fait, il faut que la vie circule, que la vie se remette en mouvement dans les écosystèmes pour que euh, puissent apparaître euh, les combinaisons de micro-organismes du sol et de macro-organismes qui accompagnent ces micro-organismes, que ces combinaisons-là puissent s'optimiser parcelle par parcelle, et même petit secteur de parcelle par petit secteur de parcelle. Donc ces corridors biologiques, qui permettent le développement de la vie, seront des outils indispensables à voir tant à petite échelle, au niveau d'une parcelle, au niveau d'un domaine agricole, euh, qu'au niveau d'une grande, éche grande échelle, au niveau d'un territoire et même au niveau planétaire. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on nous explique qu'à échéance de 2040, là où je suis en Corrèze en ce moment, on va avoir un climat qui va ressembler à Barcelone. Il faudrait qu'on ait une forme de continuité territoriale végétale et animale pour que tout ce qui constitue la microfaune, la microflore de Barcelone puisse migrer jusque chez nous. Donc là, on est venu sur un site expérimental qui est géré par Arbre et Paysage 32 dans le Gers, mais on est en Corrèze. Et c'est un site qui était. Là, on est dans un peu dans sa configuration initiale. On voit une truffière qui est plantée, qui est régulièrement travaillée, avec un sol qui est relativement nu et qui est resté dans ce mode de culture pendant un peu plus de 30 ans, enfin des années 70 aux années 2015, 2016, 2017. Hein voilà, donc. Euh... Ouais, ça fait presque 50 ans, finalement. Et donc, depuis deux ans, il est récupéré euh, par euh, Arbres et Paysages pour y étudier autre chose que les truffes, et justement, l'aridité. Hein, euh, comment euh, on peut adapter nos cultures à de l'aridité Comment les mécanismes se mettent en place qui vont nous permettre de produire plein de choses hein. Et donc, on s'est mis dans la tête de produire des arbres fruitiers, de la vigne, des arbres truffiers tout le temps, euh, un peu de production de bois BRF ou euh, des, des plaquettes et des cultures dans un système agroforestier où entre les arbres il va y avoir donc euh, euh, actuellement des, des céréales et donc, euh, voilà, donc on va juste parcourir et voir que c'est compliqué et voir quels résultats on peut avoir en, en deux ans en fait de, 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 de travail euh, et en, en s'inspirant de tous les principes que l'on a pu euh, identifier tout à l'heure et une des premières choses qui est importante c'est de se constater qu'en fait effectivement à côté des arbres ça pousse pas bien Hein, quand on voit la, la, la partie de, de, de terre qui est travaillée, euh, même les mauvaises herbes n'ont pas réussi à pousser ici, alors qu'un petit peu plus loin, à partir de 7-8 mètres de la, de la lisière, là l'herbe recommence à pousser. Et donc euh, on est dans une situation qui est le commun de ce que tout le monde ressent, et bien ça ne pousse pas à côté des arbres. Alors si même les mauvaises herbes ne poussent pas, euh, on ne peut imaginer que du blé ou que du, du seigle euh, ne pousse pas non plus. Hein. Et en travaillant sur les relations mycorhiziennes, en travaillant sur cette trame de bois qui se décompose dans le sol, eh bien, on va voir que le résultat peut être surprenant. Donc là, on est euh, ben juste au stade après notre truffière. Donc euh, ça remonte il y a maintenant, euh, on est dans la septième année, donc on va dire six ans et demi. On a commencé à déforester, donc à ôter les arbres truffiers qui étaient là. Et ensuite, euh, ben on, on a laissé les choses telles quelles. On a, on a ôté les arbres, on les a dessouchés. Hein, et, et puis voilà ce qui reste. Donc au bout de sept ans, on a une espèce de pelouse euh, sèche qui est en train d'émerger, qui est très éparse. On voit que le caillou est excessivement présent par terre. Et on a même des sédums qui poussent, donc vraiment des plantes grasses, hein, qui ont besoin de très peu de sol pour se développer. Et puis par endroits, on commence à voir euh, d'autres plantes qui arrivent, là, des, des, petites, euh, euh, des petites germandrées. Il y a quelques ronces, quelques euh, cerisiers de Sainte-Lucie. De temps en temps, on a aussi du petit chêne, là, comme ici, qui revient. Euh, des orchidées, là, qui ne sont pas ses fleurs. Euh, C'est une son, voilà. Euh, ça reste une végétation très maigre voilà, d'une prairie d'un secteur qu'on laisse en libre évolution et donc là on est sur euh, une tentative de mettre euh, plus de vie dans, dans ce peuplement végétal et donc on a simplement semé en, en semi-direct euh, donc du seigle alors là, on est dans un endroit où il a bien levé. Vous voyez comme il est beau là. Mais il y en a sur toute la parcelle, jusqu'au bout. On voit des secteurs où ça levait un petit peu mieux, des secteurs où ça n'a pas beaucoup levé. Ça nous fait des, des tout petits épis hein, sur lesquels on a. Euh, donc cet effet euh, automne-hiver dernier. Euh, ça n'avait pas levé avant le mois de novembre parce que c'est resté très sec. Hein, et, et voilà, donc là, on a, hein, on, on a quatre grains dans un épis. Et, et, et si on a. Oui, comme un peu là-bas, on a 10 épis par mètre carré. On y a semé également, donc on les voit, elles ont séché maintenant, euh, des, des, euh, des févroles vous voyez, qui n'ont pas beaucoup poussé non plus. Et pourtant, ça, ça met en place quelque chose de nouveau et ça commence à constituer une trame dans le sol sur lequel euh, ces plantes ensemble pourront arriver à mieux pousser d'année en année. Voilà. On y a aussi un, incorporé un, un saint foin voilà, qui, est, qui est là. Donc voyez, là, donc là il y a, il, il a déjà eu la première fleur qui est sortie ici avec les graines là. Et donc là il est en train de faire sa deuxième pousse déjà. Hein, on est au mois de, au mois de juin. Et, et voilà, donc ça resté des plantes euh, petites. C'était semé avec un semoir en semi-direct, sans aucun travail du sol. Euh, avec euh, euh, le semence donc on devait être à 180 kg euh, à, à l'hectare euh, c'est normalement des secs qui talent beaucoup hein. et, et puis donc euh, il fallait que ça se fasse en complément de la végétation qui était déjà en place aussi hein. euh, ça, ça paraît Ouais, ça paraît dérisoire, et puis on a commencé, donc ici il n'y a pas d'arbres bien évidemment, hein. ça a été déforesté, on a commencé à planter des lignes d'arbres, hein. donc ces lignes d'arbres qui sont ici principalement des arbres fruitiers et des vignes. Hein. Donc euh, l'été dernier, ce sont des arbres qui ont énormément souffert, euh, parce qu'il a, a fait très très chaud, très sec, ils avaient presque tous perdu leurs feuilles, et là, bon, il y en a quelques-uns qui, qui sont morts, qu'on a remplacés par euh, des fillets cette année. Et donc, euh, donc, ceux qui ont poussé, ben, on se dit que s'ils ont réussi à survivre à la canicule de 2022, à mon avis, ils vont continuer à s'implanter. Et on a mis des vignes aussi. Hein, donc, ces vignes sur leur capacité à développer des mycorhizes qui nous intéressent beaucoup. Et puis voilà, et puis il y avait quelques petits chênes euh, truffiers qui repoussent spontanément, et là on a simplement ce qui repousse à l'état spontané sur le rang. Hein, on, on laisse cette forêt ectomycorhizienne apparaître librement, mais avec cette idée que jamais elle ne dépassera la sta, le stade des arbres fruitiers. Nos arbres fruitiers et nos vignes devront toujours passer par-dessus les arbres ectomycorhiziens, donc les arbres forestiers. Hein, et on va laisser nos arbres endomycorhiziens, donc des arbres associés à des champignons, qui acceptent l'aridité, hein, et ceux-là on va les laisser prospérer. Voilà. Alors, vous voyez déjà au niveau de la taille, il est un petit peu plus haut que celui qui est là-bas, un petit peu plus dense, on a des épis euh, qui ont trois fois plus de graines, mais pas beaucoup. Hein. Euh, là-bas ils avaient 3, 4, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hein, 15. On a trois fois plus de grains par épi On a quelque chose qui commence à, à progresser. Hein mais le coût de faire ça euh, c est, c est, c est de semer de faire passer un semoir à semi direct là dedans pour un truc qu'on va pas récolter et ben voilà donc quand il n'y a pas d'arbres effectivement on voit que les choses évoluent mais le sol s'agrade progressivement et on voit toujours notre sol, les hein, cailloux sont affleurants comme ça fait deux ans qu'on le fait on, et que ça a juste été couché, on voit qu'il y a de la matière organique qui est un peu plus présente sur le sol on voit que le, 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 la, la, il y a une forme d'humus qui commence à apparaître en surface Voilà. dans ce contexte-là euh, on n'a pas taillé d'arbres à côté, il n'y a plus de bois qui se décompose dans le sol et donc euh, euh, tout ce qui peut faire circuler l'eau, les nutriments, tout ce qui peut entretenir la vie au milieu de la parcelle n'est ne, pas, pas du tout à l'œuvre là-dedans. Et ce qu'on peut faire, c'est d'avancer jusqu'à la partie où il commence à y avoir des arbres. Voilà, voilà. Et donc là, on est arrivé dans la partie où l'influence des arbres commence à se faire sentir. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que on dit que ça ne fonctionne pas à côté des arbres, mais là on est au milieu des arbres et, et c'est exactement le même itinéraire. Hein et là, tout de suite, un nombre d'épis plus important, une densité plus importante. Et puis surtout comme le seigle. Donc là il commence à sécher, donc les feuilles disparaissent, mais euh, a mis à l'ombre toute la partie euh, sous le couvert végétal, euh, on commence à, à avoir beaucoup moins de des strates. Initial à l'intérieur. Le, le, le seigle prend la place et donc dedans on, on va retrouver bien évidemment. Oui, elles ne sont pas encore tout à fait sèches ici. donc Là-bas les févroles étaient sèches, là maintenant elles sont encore vertes, ça veut dire qu'elles sont encore en train de fonctionner. Donc elles ont trouvé les ressources qui leur permettent de durer un petit peu plus longtemps. Et puis euh, le sainfoin aussi qui, qui repousse gentiment à l'intérieur. Hein, euh, donc euh, là, on a une évolution qui commence à être intéressante. On n'a pas encore atteint euh, la densité euh, voulue. Et qu'est-ce qui se passerait si on avait une densité d'arbres plus importante Et on va aller faire le tour par là-bas et voir à l'endroit où les, les arbres sont beaucoup plus proches. Et au lieu d'être sur 28 mètres d'écartement comme ici, on va être simplement sur 14 mètres. <laughs> et là, et là, regarde. <laughs> tu vois que la vie est belle. C'est tout le temps le même itinéraire technique. C'est toujours le même sol. Regarde des cailloux par terre. Il y en a plein. Là, là, le sol a, a fait émerger, donc bien sûr, on a notre sainfoin. On reparlera du sainfoin parce que ce sainfoin est un peu particulier. Euh, on, on a euh, donc les, des, des, des luzernes lupulines qui sont aussi arrivées en soutien toujours de nos, de nos févroles. Et regardez ici la, la, la densité, la quantité qu'il commençait à avoir. Et donc, c'est le même seigle dans les, les trois parcelles. C'est exactement le même seigle, le même itinéraire, le même jour de plantation, les mêmes choses. Et alors, après, on nous dit que ça ne marche pas à côté des arbres. Tu vois La différence qu'il y a dans tout ça, c'est bien sûr la variété c'est que ce seigle est un seigle mycorhizable, euh, qui est adapté aux conditions difficiles. Hein. Sur cette partie-là, dès l'an prochain, on passera peut-être sur un blé dur, peut-être pas tout de suite sur un blé tendre mais au moins sur un blé dur, et l'année d'après, je pense qu'on devrait arriver à pouvoir faire du blé tendre. Enfin, sur un coste, tu as vu le sol qu'on avait Il y a deux ans qui sépare la première parcelle de celle-ci. Que deux années. Voilà. C'est beau Il est plus grand que moi. Alors bien sûr, ça va verser tout ça, donc là qu'on a quand même une densité qui n'est pas trop trop forte, ça verse pas. Et là, toute la récolte, qui est ici, on a décidé de la, de la laisser. On va tout laisser pour la nature en fait. Hein, euh, Puisqu'on ne s'attendait pas à avoir un aussi beau résultat, on s'attendait à avoir quelque chose comme ce qui est un petit peu plus haut. Donc faire passer la moissonneuse plus haut, bon, pff, discutable. Là, là, ça pourrait valoir la peine. Mais, mais bon, euh, dans notre itinéraire, on va coucher tout ça. Et maintenant, en termes de stratégie, donc on arrive au, au stade où le, le, le seigle a fini sa croissance, les grains sont, sont, sont en train de finir de sont en train de finir de, 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 de sécher. Bon, ils sont encore un petit peu laiteux à l'intérieur. Hein, oui, enfin avec la chaleur qu'il fait, ça va ça va passer très vite. Hein. Et le donc on va coucher ça et ressemer directement un couvert d'été. Et ça, le truc, c'est que justement, on était de pas laisser la végétation sèche, la végétation nue, de prendre des plantes, donc qu'est-ce qu'on va mettre euh, ben des, des trucs qui poussent en été, donc on va sûrement mettre un petit peu de tournesol, un petit peu un sorgho ou un moa. Le moa donne de très bons résultats ici, hein, donc euh, hein, des plantes en C4 qui peuvent faire leur photosynthèse même quand il fait très très très, très chaud. Euh, et puis alors bien sûr tout un, un cortège de, de légumineuses euh, qui poussent bien en été, hein, donc euh, certaines jesses, euh, je vais revenir sur cette histoire du, du sainfoin. Ça, quand on va le coucher, eh ben, le, le, le sainfoin qui, qui, voilà, qui a été semé euh, ce printemps, c'est juste ces petits trucs-là. Là. Alors, ce sainfoin, c'est un, un, un gars dans la Drôme qui produit ça. Voilà, voilà. Alors, c'est un, un sainfoin vivace, un sainfoin une coupe, hein, donc, euh, qui supporte qu'une seule coupe par an, qui repousse. Et, et les graines viennent de prairies qui ont 7 ans. Hein, c est, c est, normalement, ça vit trois ans. Chez nous, les sinfois, ils vivent trois ans. Et là, ça fait un fois qui est vraiment vivace et qui est habitué à une grande aridité. Donc, il y a non seulement des nososités et un inoculum qui lui permet de vivre dans cette grande aridité, et dans lequel on, on a travaillé justement sur un inoculum euh, qui est constitué donc de, de, de plein de champignons qui sont déjà adaptés à l'aridité. Il fait ça dans des vallées sèches, dans la Drôme à 1000 mètres d'altitude, dans des conditions vraiment vraiment compliquées. Voilà. Et donc en les mettant dans des situations un petit peu mieux chez nous que chez lui, eh bien, en fait on est très 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 content de la, de la qualité et de ce que ça apporte au, au, au terrain. Et donc euh, voilà, c'est le genre de voie à explorer, de faire venir des plantes d'endroits plus arides que nous pour euh, accompagner déjà euh, le, le, le développement de, de nos cultures voilà. et, et je l'aime bien et, et donc euh, après c'est dans la, la compréhension, mais pourquoi ça pousse mieux ici que là-bas en quoi les arbres poussent mieux ici c'est simplement que euh, on a déforesté exactement au même moment, de la même façon qu'on a fait là-bas mais là on a laissé les racines dans le sol ce bois se décompose et va transporter l'humidité euh, qui est euh, condensée dans les parties forestières qui sont sur le bord et sur la partie basse qui est une zone forestière. Là c'est une double haie de chêne truffier qui a été laissée parce qu'elle a toujours un très bon potentiel en truffe. Mais, mais euh, donc, cette humidité peut recirculer dans le sol et il y a un transfert qui se réalise par le réseau de bois mort entre le monde forestier ectomycorhizien et le monde euh, ouvert endomycorhizien. Et donc sur tout le pourtour, on a conçu une lisière qui est en train de se développer, qui est exactement le même type de, de plantation que ce qu'on a mis là-bas, donc des arbres fruitiers et des vignes qui vont faire le lien entre le monde forestier et le monde ouvert. Une espèce de lisière qui va s'appuyer sur le, le, le massif forestier qui est là, et, et puis qui va commencer à, à, à conquérir et à se développer à l'intérieur de, de, de cette bande agroforestière. Cette expérimentation et les bases théoriques sur lesquelles elle est bâtie confirment tout le bien fondé des recommandations du GIEC sur l'adaptation au changement climatique. L'évolution des pratiques agricoles vers l'agroécologie est à la fois indispensable et salutaire.